Bonjour et bienvenue. On est reparti dans notre survie du week-end. Dans une zone que je n'apprécie pas. Je suis pas le seul en plus, apparemment. Oh, il y a des. Ah, Steam et les reviews des gens, c'est toujours très très extrême à chaque fois. C'est pire que la gauche et la droite. C'est toujours. Genre, vous lisez un commentaire, c'est. Ah, j'adore la zone, elle est super bien et tout. La meilleure zone qui a été créée. Et après, il y a un autre commentaire en disant que oui, j'adore le fait qu'il n'y ait rien du tout, il y a quasiment rien, il y a des zones qui sont complètement vides et tout. Bah oui, moi je veux pas dire, mais je suis assez d'accord avec le deuxième commentaire en disant que c'est assez vide. En tout cas, on est quasiment midi, on a récupéré pas mal de vide la dernière fois. Du coup, on va rentrer. On va rentrer, ça a l'air de faire un bon temps en plus. On va voir. J'espère. On va rentrer, on va laisser reposer tout ça, tout ce qu'on a là. On est déjà à plus de 30 kilos, donc on va pas chasser. On a 34 kilos. Donc ouais, on va pas chasser. Est-ce qu'on avait dessiné cet endroit ou pas? Je crois pas. Hein. Là, il fait froid. Ouais, si, on l'avait déjà fait, merde. Tiens. J'ai une grotte avec un cadavre. On l'avait déjà visité ou pas? Je crois, oui. Oui, je crois. On va rentrer. Mais ouais, je dois dire que je suis pas vraiment vendu en fait par cette zone pour le moment. Je la trouve plus chiante qu'autre chose en fait. Vraiment pas très intéressante. Comme j'ai dit, j'étais pas le seul apparemment. Donc je suis assez content de moi. Enfin, dans un sens, je suis assez content que des gens pensent un peu pareil. Il y en a qui disent que ça rappelle la Vallée Charmante. Et c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Mais après, il y en a qui disent... Alors ça, c'est pas mal. Par contre, c'est une belle vue. Bon, par contre, toi, tu me casses les burnes. Toi, tu me casses les burnes parce que je voudrais prendre mon temps, là. Vas-y, ramène-toi. Voilà. Tu me fais chier. Je voudrais prendre mon temps pour vérifier, pour regarder un peu, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut regarder. Alors déjà là on est en hauteur, donc on va dessiner. Ouais, ça ne nous aide pas vraiment. Donc là on a des bâtiments. Là on a l'aéroport. Ah oui, c'est vrai que je peux pas. Là, on a l'aéroport. Là, on a des bâtiments, des trucs. Là, on a de la glace. Avec une sorte d'île. Pas l'air d'avoir grand-chose d'autre. Peut-être derrière là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Ouais, peut-être derrière là. On verra ça la prochaine fois. Enfin, on va peut-être aller là-bas. Si on a le temps et tout. On devrait découper la peau, peut-être. La peau du loup, à la limite. Comme ça, on en a. Parce que j'en ai pas, je crois bien que j'en ai pas de peau de loup. Je crois que j'en ai pas. Donc, à la limite, on prend la peau. Ok, très bien. Allez, on peut descendre. Ce sera pour réparer notre manteau si jamais on a besoin. Donc ouais, je... Après il y a des gens qui disaient même la vallée charmante est un peu mieux. Parce que la vallée charmante en fait, le centre est un peu vide. Mais après elle a des petites zones en fait. Vous savez, vous avez par exemple la ville avec plein de bâtiments. Vous avez les granges en plein milieu. Bon, elles sont loin l'une de l'autre. Là ça c'est un peu chiant. Mais vous avez la petite ville là, où il y a plein de bâtiments. Vous avez le crash de l'avion. Vous avez d'autres choses en fait. Là j'ai l'impression que ouais, c'est une copie à la limite de la Vallée Charmante. Où vous avez l'aéroport dans un coin, après il y a beaucoup de rien. Il y a beaucoup de strictement rien. Et après il y a des petits endroits avec des fois des bâtiments. Donc ouais, je suis assez d'accord.
Je suis assez d'accord avec ça, honnêtement. Ouais, c'est pas le plus fun, hein. C'est vraiment pas le plus fun. Là, il nous faudrait un scooter des neiges, là. Oh, honnêtement, moi, ça me gênerait pas d'avoir un truc comme ça. Genre, un véhicule. Alors, je sais que c'est la survie, machin. Il faut être à pied et tout. C'est pas le... Dans le but du jeu. Mais quand on a des zones comme ça, j'ai même l'impression que celle-là, honnêtement, elle est plus grande que la vallée charmante, cette zone. Mais du coup, ça rajoute du rien. Genre, ça rajoute des étendues vides. Donc du coup, je serais pas contre un véhicule, en fait. Et qu'on peut utiliser seulement dans cette zone-là. Genre un scooter des neiges, là, pour d'aller d'un endroit à un autre. Ah, je trouverais ça, l'idée, vraiment pas mal. Et vu le chemin que je dois faire, juste pour retourner là. Puis après, on voudrait aller visiter là-bas. Donc du coup... Bah on va devoir tracer en plein milieu, il n'y a rien, strictement rien. Il n'y a même pas de bois pour faire du feu. Ouais. Après comme j'ai dit, la seule chose qui pourrait rendre cette zone moins chiante en intrus, ce serait un thermos. Ça je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais si on avait un thermos, parce que vous vous rappelez on utilise les thés chauffés en fait, pour se réchauffer et avoir le buff. Ben voilà, ça en fait, ça deviendrait vachement intéressant du coup. Si on peut mettre dans le thermos de genre plusieurs doses de thé. Genre, je sais pas, 3-4 doses. Et qui reste chaud pendant genre 12 heures. Du coup, on peut avancer et se réchauffer en fait. Là, ça serait bien. Honnêtement, là, ça serait vraiment fun. Là, ça serait ok. Enfin, fun, non, faut pas exagérer non plus, mais ça serait ok. Parce que on gèlerait pas au bout de 5 secondes, quoi. Donc, ouais, je. Non, pour moi, le. Ça m'a. J'ai envie de dire tout ça pour ça. C'est pas trop mon truc. Je suis pas vendu. Excusez-moi, je suis encore un tout petit peu malade. Ouais, je suis pas vendu par le fun. Là, on a oublié de rajouter le fun dans cette zone. Par contre, un truc, ça je vais pas mentir, j'ai beaucoup aimé passer les autres zones, les zones avant. Les zones avant celle-là. Et comme j'ai dit, même pour aller crafter des choses, c'est la merde, parce qu'il faut aller en bas... C'est complètement noir de chez noir. Il y a pas d'atelier. S'il y avait un atelier à genre ici, à ce niveau-là, honnêtement, ça serait bien. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'atelier. Je peux même pas mettre les choses où je veux. Et après, on peut me dire, oui, mais tu peux prendre, je sais pas, genre tu vas là, par exemple. Tu mets les choses bien. Oui, mais c'est pas accessible, c'est relou. C'est chiant, j'ai pas envie de faire de passer 5 minutes à marcher juste pour aller placer 3 objets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ça soit facile d'accès, faut que ça aille vite. Il est déjà assez long comme ça, le jeu. Assez lent, comme ça. Ouais, y'a rien d'autre à faire. Je voulais juste regarder un peu aux alentours et me réchauffer pour l'instant, mais... Mais ouais, fin déçu, quoi, déçu pour le moment. Alors, en tout cas, on va virer ça. Même le lit, il est en dessous. Waouh, pourquoi elles sont noires? Vous avez vu? Ouais, ça, c'est un problème d'éclairage, ça. Genre, c'est comme si elles avaient pas de texture. Mais ouais, même ça, c'est... Même pour dormir, c'est la merde. Même pour dormir, c'est la catastrophe. Donc c'est un peu abusé, je trouve.
Aïe, 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 aïe. Je vais rester encore un moment ici. Comme j'ai dit, je vais au moins rester le temps que, je sais pas, on est cuisine peut-être niveau 5 ou allumage de feu. J'en sais rien en fait. Je veux qu'on ressorte. Ça, c'est quoi? Une heure pour la recycler? Ouais. Je veux qu'on ressorte de cette aventure là dans la nouvelle zone. Dans un sens grandi, c'est-à-dire qu'on ait accompli quelque chose. Mais et du coup, vu que c'est nouveau, je vais rester un peu, quoi. Mais j'avoue que j'ai juste envie de partir, en fait. Et du coup, c'est pour ça que le sac de couchage aussi est noir. Parce que je me disais pourquoi il est aussi sombre. En fait, c'est parce que, ouais, il y a un problème d'éclairage ici. Il y a des objets qui sont pas éclairés. Ouais, qui sont pas. Ouais, qui sont tout simplement pas éclairés. Mais ouais, honnêtement, j'ai envie juste de partir maintenant. Je vais être honnête. Je vais être 100% honnête. J'ai envie de partir. Retourner au lac Mystère. Crafter nos vêtements en peau d'ours. Crafter nos vêtements en peau d'ours et aller genre Ash Canyon pour aller récupérer le sac. Des trucs beaucoup plus importants en fait qui vont vraiment nous aider au lieu de pas faire grand chose ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi qui pèse aussi? Ah oui, j'ai encore 16, 16 bâtons. Est-ce que j'ai posé du charbon? Oui, j'en ai combien? J'en ai 5 sur moi. J'ai encore une bombe de peinture? What? Non. 14. Voilà, on est un peu lourd parce que, oui, on a des vêtements qui pèsent lourd. On va sortir, mais je sais pas où aller. Il fait quand même déjà nuit. Je sais pas quoi faire. Bon, on a les bois qui sont en train de sécher, les pots qui sont en train de sécher, c'est le principal. Avec les boyaux, c'est le principal. Mais je sais pas où aller. J'ai de la nourriture sur moi. Ah, j'ai toujours les massettes à la limite. Genre, je veux bien aller là-bas. Ah, je crois qu'on n'avait pas fouillé cet avion. On va aller le fouiller. Même si on va sûrement rien récupérer. Mais... Cet endroit, après, a l'air vraiment cool. Mais il n'y a pas de lit. On est d'accord qu'il n'y avait pas de lit, hein, ici. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de... d'atelier. La tour, pareil. Pas de lit, pas d'atelier. Donc à la limite, c'est encore mieux là-bas parce qu'il y a un atelier au sous-sol. Alors, dans le trailer, il y avait un site de crash d'hélicoptère. Avec une radio. Alors, je suis allé quand même regarder sur les forums. Apparemment, cette radio est toujours pas dans le jeu. Donc, même ça, on peut pas le faire. Mais apparemment, il y a bien le site de crash. Je sais pas où il est, hein. Il est dans la zone. Mais il y a un site de crash d'hélicoptère, apparemment. Donc, faudrait aller voir ça. Ah! Ouais, il fait pas si mal que ça, le froid, là.
Là-bas, c'est la maison qui est brûlée. Attendez, par contre, je vais juste regarder la carte. Une seconde. On va se mettre à l'intérieur. Je vais juste regarder la carte, parce qu'on avait un lieu, là, qui avait été... trouvé. Alors, attends. C'est ça, là. Ça. Vue de l'aérodrome abandonné. Donc, nous, on est là. Donc, c'est par la glace. Ligne droite, comme ça. Donc, il faut passer par la glace. Ok. Peut-être qu'on peut faire ça, à la limite. Ça risque d'être dangereux, on n'a pas trop d'eau. Ça va. Donc, il faut passer par la glace. Comme ça, c'est quasiment perpendiculaire. C'est sûrement plus loin que... Sûrement plus loin que le bâtiment détruit, là. Après, le temps est pas aussi pourri que la vallée charmante. Ça va. Ça, c'est vraiment la seule bonne chose. Oh putain, je vais pas pouvoir monter, là, si. Mais bon. Ouais, le temps est pas aussi pourri que la vallée charmante. Mais ça reste quand même un peu pourri. Faudrait des jumelles. Où est-ce qu'on pourrait aller? Là, on a des choses. On va se mettre là, on va dessiner. Là-bas, c'est quoi? C'est un site de crash ou pas? Non. On a des cailloux. Ouais, je sais pas trop. Alors... Ok. Putain, j'ai l'impression d'avoir... D'avoir marché pendant 3 heures, j'ai rien fait. Donc, toujours par là-bas. On peut même pas récupérer du bois, en fait. Ça c'est chiant, parce que j'aurais pu faire du bois et... Récupérer du bois et faire un feu. Il y a une cheminée. Excusez-moi. Ça, c'est le froid. C'est le froid dans le jeu, ça. Est-ce qu'on aurait une grotte?
Pas vraiment. Pas vraiment, c'est juste... C'est bien, il n'y a même pas de bois à côté du feu, c'est bien. Bon, on y arrive. Hein. C'est méga grand. On s'est abusé, en fait. Non, mais ça, c'est catastrophique. Là. En fait, le problème, c'est que ça me décourage pour... Ah ! On l'a trouvé. C'est limite, ça me décourage de chercher en fait. Tellement que c'est grand pour pas grand chose. On peut chasser et manger, cuire et tout. Ouais, on peut faire ça à la limite. Là, il y a un peu de bois. Alors, approche finale. Rien. Ok, on est protégé du vent, c'est déjà ça. Il y a un lit. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, évidemment, pour nous, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, strictement rien. Enfin, c'était dans le trailer qu'il y avait une radio ici, mais apparemment il n'y en a pas. Enfin, les gens ont dit qu'il y avait strictement rien. Ah, bah attendez, on va dessiner. Il me reste plus qu'un seul charbon. Proche finale. Alors, on peut aller chasser si on veut. Et après on revient là pour faire du feu. Il y a les loups là-bas. Ça va être la merde de le toucher. Impatient en fait. Enfin, attends, en plein milieu de nulle part, non, c'est de la merde. Vas-y, viens, va vers des arbres. Vas-y, vas-y, on va dans la forêt. Ça va être débile de le découper en plein milieu comme ça. Oh, il y a un ours là-bas, putain, évidemment. Évidemment, il fallait qu'il y ait un ours. Évidemment.
Ah, tu me fais chier. On va pas chasser, hein. Ah, je crois qu'il dort. Ah, on peut chasser l'ours, hein, mais je voudrais d'abord un endroit peut-être pour s'abriter, ce serait peut-être un peu mieux. Après, on peut chasser l'ours. On va suivre la route. On va voir où ça nous mène. En théorie, l'endroit qu'on cherche avec le diaporama, là, enfin le diaporama, la photo, là, ça doit être là, là-bas, enfin par là, je crois. Parce que si on regarde d'où on vient, là, le site du crash est là, donc on fait ligne droite comme ça, donc ça doit être par là, je pense. Donc faut voir s'il n'y a pas, je sais pas, peut-être un bâtiment. On sait rien. Est-ce que Dantor, parce qu'elle est fatiguée. La route continue. Ah, attendez, est-ce qu'on vient pas de là? Parce que je me rappelle pas, honnêtement, où passer pour partir, en fait. Je me rappelle plus de quel côté. Genre, est-ce que la photo, ce serait pas ici, hein? Ça m'étonnerait quand même. C'est quoi ce truc? Elle est où? Elles sont où les photos? Photos instantanées. Le lac mystère. Ah, d'accord. Crête bien. Okay. Il y a encore pas mal de bugs, hein, dans le jeu, hein, quand même. Hein. T'as à faire 2 semaines. Hein. Ça va faire 2 semaines, il y a encore pas mal de bugs, hein. Putain. Je veux pas dire, mais... Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit un bâtiment, j'ai l'impression que ça soit juste un endroit, genre comme ça, par exemple. Non, mais c'est peut-être par là, en fait. On va bien le trouver, mais... M'étonnerait. Genre là, peut-être. Ça y ressemble, en tout cas. Jesus, it's cold. Ouais, ça a l'air d'être par là. Pour la photo, ça a l'air d'être par là. Mais putain! Il y a aussi un truc, c'est de pas... Allez, encore une flèche. De pas trop viser longtemps parce que elle a tendance, enfin le personnage a tendance à vaciller en fait quand vous visez longtemps. Elle reste pas bien droite. Ça c'est un gros problème, ça, je trouve. Un très très gros problème. Parce que tant qu'on a de l'endurance par rapport à la visée, on devrait pas bouger, en fait. Oh merde. Je trouve qu'on devrait pas bouger. Donc là, du coup, nous, on vient de là? Ou pas? Donc ça, c'est un autre endroit. Moi, je pensais qu'on venait plus de là-bas, en fait. Bon, on va falloir se bouger les fesses parce qu'on va commencer à avoir froid, en fait. Bon, je suis quasiment certain que c'est par là, la photo. Mais ouais, faut commencer à se bouger parce qu'on a froid. On commence à être fatigué.
Parce qu'on s'est bien fatigué. Parce que là, j'ai fait que sprinter pendant un moment. On a un peu de bois, on peut faire de l'eau si on veut. On a les massettes. On a un lapin. Strictement rien. Oui, 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 oui. Là-bas. Ah, ça a l'air d'être détruit, non? Oh, so cold. Okay, on a peut-être trouvé un nouvel endroit, je pense. On a un peu de bois, on peut faire du feu. Ok, c'est une maison qui a l'air ok. Bon, bah on va peut-être pouvoir rester ici. On va d'abord rentrer, on regardera aux alentours après. Ah, ok. Cabane spirituelle. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, on peut faire du feu à l'intérieur, c'est bien. Il nous faudra un atelier. C'est très joli. Par contre, c'est très joli, j'aime beaucoup. Il faudra un atelier, il y a un lit. De la nourriture. Quoi? Oh, ça doit être là, ok. Ah, dis-moi qu'il y a du charbon. En fait, j'avais pas totalement... Yes. J'avais pas totalement tort, j'avais pas totalement raison. Ça doit être juste devant. Là. Ouais. Ah, le timing, quoi. Le timing. Je peux pas le faire parce qu'il fait nuit, maintenant. Ah, tiens, il y a une porte, là. J'ai pas fait attention. Ah, le timing de fou, quoi. Yes, ça, c'est tout. Ah, le timing de merde. Incroyable. Incroyable. Mon Dieu. C'est quoi ça? Ah ok, une réserve d'eau, ok cool. Vous voyez, cet endroit est pas mal. Cet endroit est très très bien, mais bah, il est très éloigné du... Y a rien. Il est très éloigné de l'aéroport en fait, c'est chiant. Bon, par contre, on peut peut-être vivre ici. Ouais. On peut peut-être vivre ici. Planche non fixée. Une loupe. Loupe invisible. Un papier de texte. Poppy parlait toujours de la beauté de cette région après quelques semaines de travail ici. Je le comprends. Il lui aura coûté beaucoup, ce ciel infini. Je n'ai toujours pas atteint la mine. Mon boulot m'empêche d'avancer. Ah, il y a une mine. Il a toujours dit qu'on ne pouvait rien refuser à cette boîte sous peine de ne plus jamais retravailler. Mais il est tombé malade et tout ce que j'ai trouvé ici, ce sont des os et des rumeurs au sujet d'une ancienne société. Les gens semblent avoir oublié jusqu'à son nom. J'ai encore du mal à comprendre. Planche mal fixée. Ouais, on n'a pas beaucoup de feu en fait. La planche mal fixée, je l'ai trouvée par hasard.
Parce qu'elle était déjà là ou je ou on l'avait déjà vu avec un papier. Je crois qu'on l'avait déjà vu avec un papier. Il y avait écrit, peut-être. Je sais plus. Genre, est-ce que vous voyez le truc, c'est est-ce que c'était visible parce qu'on avait déjà lu le papier ou pas. Il y a rien du tout. Là, on a des tonneaux. Baril. Bon, après, une bonne chose, c'est qu'on peut, du coup, aller chasser l'ours et tout ça. On peut faire escale là. On peut rester là. Ça a l'air d'être une zone assez potable. Par contre... les cerfs ont l'air d'être assez loin. Je voudrais bien récupérer un peu plus de bois, par contre. Les cerfs ont l'air d'être assez loin. Ça, c'est un problème. Même le bois, ça court pas les rues, hein. Pas grand chose par terre. Après, on est dans la forêt, c'est bien. Parce qu'il nous faut toujours des bois pour faire des arcs. Donc, avec de la chance, on peut en trouver. Ça serait cool. Ah, mais j'ai toujours le lapin sur moi. J'aurais dû me poser. Chose. Pas grand chose d'intéressant. On va visiter un peu plus par là. Ça a l'air d'être assez safe. Ouais, on va rentrer, on va faire le lapin. Ouais, l'endroit est sympathique. Là ça va, c'est sympa, mais ouais, un peu loin de tout quoi. C'est un peu ça le problème. C'est un peu loin de tout. Et tant qu'on peut pas manger du loup et tout ça, c'est un peu la galère. Un tout petit peu la galère. J'ai un accélérateur ou pas? Ouais. Ah, on peut même pas manger ça, putain. Ah. Allô? C'est vrai qu'on a... Mais oh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que le lightbox dans cette zone, elle est... Enfin, dans cette maison, elle est vraiment pourrie. Ok, 1h18. Alors, il est où le lapin? Là. J'ai mis un peu d'eau à bouillir.
Attends, on peut faire ça. Fondu dans 10 minutes. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Si, si, faut pas le faire. T'as 22 minutes. Mais oh, ça va me foutre dans la merde, parce que si jamais on doit agir vite et que j'arrive pas à target le machin, ça peut nous foutre dans la merde. Est-ce qu'on peut faire cuire ça? Oui. Voilà, très bien. Ah, j'aurais dû déposer le couteau, comme d'habitude. 11 minutes. Très bien. Là, on est protégé hein, quand même. Hein. Voilà. Si je me mets là, on n'a pas froid. Hein. Ouais, on est bon. Waouh, bah encore heureux qu'on a trouvé une belle maison. Hein. Oh, putain. Alors, 23 minutes. Il y a un effet super chelou. Cabane spirituelle. Oui, mais on n'est pas on n'est pas parti. Ok, cet endroit est mal fait, mal codé, je crois. Alors maintenant, je fais attention s'il n'y a pas des trucs secrets et tout. Alors, ça c'est fait. Encore 6 minutes. Ouais, je pense que c'est bon. On va aller se coucher. Je sais pas si on arrête l'épisode là ou pas. Ça fait un peu un épisode court si on s'arrête là. Donc je pense qu'on peut peut-être continuer encore un tout petit peu. On est à combien? On est à 900 calories, c'est très bien. Vu qu'on sprint pas mal, on se fatigue assez vite, donc du coup on doit dormir assez tôt. Ok, très bien. Ah oui, attendez. Par là. Ah là là, cette porte. Oh mon dieu, le froid. Oh là là, le froid, quoi. Alors, là, on a une cachette de chasseurs. Donc, on doit être au bord de cartes, en fait.
Ah ah! Trop de pêche sur glace. Maisonnette de Lille. On y était là ou pas? Non, peut-être pas. Nous, on était là-bas. Nous, on était là. Ok. Ok. Donc, on peut aller... Oh, jeune bouleau vert, c'est ce qu'il nous faut. Jeune bouleau vert. Vert, c'est bien les l'arc. Hein. Non, c'est érable. Bouleau vert, c'est les flèches, du coup. Sérieux? Ouais. Ok, nous, c'est érable qu'il nous faut. J'ai rien dit. Ok, donc c'est érable. Alors, par contre, on a des trucs intéressants. Donc, on a la maisonnette de Lille avec des lapins. Avec des lapins. Là, on peut faire encore des flèches. Là, on peut pêcher. Intéressant. Il y a des cadavres. On a une grotte. Ok, 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 ok. Ça paraît... Ça me paraît intéressant. Je regarde si on n'a pas loupé les trucs vu qu'il faisait nuit. Histoire de se réchauffer. Ok. Il fait extrêmement froid, c'est bien. Donc du coup, là ça sert un peu à rien de se balader. J'entends les corbeaux, mais... Donc ça sert un peu à rien de se balader ici. Il nous faudrait quand même de la nourriture. Je pense qu'on va partir quand on aura un peu plus de nourriture. Et quand il fera un peu moins froid aussi. Là c'est un peu abusé. Moins 21, putain. On pourrait se faire l'ours. C'est vraiment un endroit un peu pourri quand même. Putain, pour remonter, c'est la galère en fait. Hein. Il n'y a pas de... Peut-être qu'il y a un passage de l'autre côté, mais... Faut faire tout le tour en fait. C'est une catastrophe. Il n'y a même pas de corde. Ça aurait été bien qu'il y ait une corde. Après, peut-être que la zone que ça a dévoilée avec la photo, c'est surtout la zone devant et pas la zone derrière la maison. Je sais pas. Je l'entends. Il dort. On va essayer de se mettre sur le caillou là devant. Tais-toi. Tais-toi, il y a un ours.
Où est-ce qu'il est? Coucou, ça va? Ok. Oh la vache. Ça, ça s'appelle un critique, ça. Alors, je suis allé lire par rapport à ça. Alors, je sais pas s'ils ont changé ou pas, parce que j'ai remarqué que c'était un peu trop simple de tuer avec l'arc, de ce que j'ai fait. Alors, apparemment, alors, je sais pas si c'est vérifié tout ça, ou alors si ça a été changé, ou ça a toujours été comme ça, c'est juste que là, on a un peu plus de chance, et puis basta, j'en sais rien, en fait. Mais il fait toujours aussi froid, là. 24, ouais, non, mais je vais pas... On va remonter à la maison et je vais... Je vais me réchauffer, on va dormir. Ça sera la fin de notre épisode. Alors, l'explication, c'est que... Les ennemis... Enfin, les animaux ont pas de barre de vie. Les animaux n'auraient pas de barre de vie, sauf les élans, apparemment. Donc, en gros... Tirer plusieurs fois sur la même cible, ça fait rien. Par contre, faire un critique, ça va les one-shot, apparemment. Qui que ce soit. Là, on a one-shot quand même un ours, hein, je veux pas dire, mais... Je pense pas avoir fait ça avant. Je pense vraiment pas avoir fait ça avant. Donc voilà, il y a un truc un peu spécial, c'est que apparemment, voilà, il n'y a pas de barre de vie... Si vous faites un critique, ça one shot. Après, les ennemis peuvent mourir de saignement. Plus ou moins vite, ça dépend de votre. De votre niveau, en fait, à l'arc. Mais le fait de tirer plusieurs fois, ça fait. Ça va rien faire. Je sais pas si c'est vrai. Hein. Honnêtement. Mais je trouve ça un peu étrange de one shot les trucs comme ça aussi facilement, en fait. Bon. Parce que là, je veux pas dire, mais un ours comme ça... Moi, je m'attendais à lui mettre 3 flèches, au moins. 3-4 flèches. Parce que ce qui m'a semblé bizarre, c'est la première fois où on a tué un ours. Enfin, même les deux fois. Je me rappelle plus. Attendez, comment on a tué le premier ours? Ah oui, le premier ours, on lui a mis des flèches. Le tout premier ours dans notre saison. On lui a mis une flèche. Il a fui. Et il est mort de saignement. Par contre, c'est voilà, le deuxième ours qui m'a semblé un peu étrange, c'est qu'on a mis 2 flèches et il était mort. On avait fait le coup de la cabane, vous savez, vous rappelez, la cabane sur la glace à Mystery Lake. On lui a mis une flèche, il nous a foncé dessus, on s'est caché, on lui a remis une deuxième flèche dans la tête, il est mort direct. Donc c'est là que je suis allé vérifier quand même s'ils n'avaient pas changé les trucs. Et après j'ai vu cette explication d'une personne. Et puis là... Ouais, là on l'a tué en un critique, quoi, apparemment. Donc, est-ce que c'est vrai, au final? Est-ce que c'est... Est-ce que l'explication de la personne était vraie? Parce que là, du coup, j'ai envie de dire que les critiques... Enfin, l'arc est le plus intéressant. Parce que je crois que comparé aux armes, je crois que c'est l'arc hein, qui a le plus de critiques. Je pense. Donc, bon. Bon, enfin. Donc, ouais. Yay, on a tué un ours. D'une flèche. Ouais, parce que... Chance de critique, plus 15%. Après, je sais pas le nombre de critiques de base, mais bon. Après, il y a quand même écrit dégâts des flèches, qui est plus augmenté. J'en sais rien, honnêtement. Je sais pas comment expliquer pourquoi on vient de tuer un ours d'une flèche. Je sais pas. C'était un critique et puis voilà, ça fait beaucoup de dégâts, j'imagine. J'en sais rien. Bon, ça nous économise sur la durabilité de l'arc. Qui est à 49% au passage. On va avoir des problèmes si on trouve pas des... Si on trouve pas des bois. Bon, je vais dormir une heure. C'est la fin de notre épisode, on continuera la prochaine fois.
Et la prochaine fois, on ira récupérer la peau. Je pense pas qu'on va récupérer la viande. Alors après, je pourrais le faire, hein. Comme ça, on augmente notre cuisson. Mais bon, on est quand même un peu loin du niveau 5. Donc je sais pas si ça vaut le coup de faire tout ça. Parce qu'il est un peu loin. Puis, ouais. Non, il nous faudrait d'abord du cerf. Donc. Ouais, du cerf. Enfin, voilà. Ouais. À la prochaine. Ciao. Portez-vous bien. Thank you.